Coucou à tous, mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc voici une petite vidéo sur les techniques de base. Voilà un petit rappel, petit entraînement à la maison, très simple, sans déplacement. Allez, je vous dis à tout de suite. On commence donc par le Oisuki. Donc petit rappel, point devant, bien le tirage de l'équité. Bien tourner, ok, pas pour monter ici, sinon ça fait monter les épaules. Donc je descends et je vais venir frôler ici pour éviter de sortir les coudes le long ici. Donc c'est un coup de face, tac, tac, ok, tac, on peut l'accélérer. Je monte de profil. Petit rappel, hop. Petit travail de hanche, on imagine ici qu'on envoie une balle de ping-pong. Tac, on revient. De l'autre côté, hanche, épaule, tsuki. Hanche, épaule, coup de poignet. Tac. Hanche, épaule, coup de poignet. Deuxième mouvement de base, le fameux Gedanbarai qu'on retrouve régulièrement dans le kata Eyan Shudan et puis dans notre kata supérieur, ainsi de suite. Donc je viens armer à l'oreille, d'accord. Attention ici, le coude, faut pas qu'il vous cache le visage. Donc je descends légèrement, il y a toujours aussi l'épaule bien basse devant. J'imagine ici que je viens glisser le long, ok. Arrivé ici, je viens tirer le kité et je vais venir envoyer le poing vers l'avant. Tac. J'arme, les hanches sont de face, je fais glisser, je vais tenir le kité, tenir, tirer le kité et ensuite faire descendre le bras avec pivot des hanches. Tac. J'arme, les hanches sont de face, je descends. Pivot. Voyez ici, regardez là. Tac. J'imagine que j'ai un élastique accroché ici et là. La hanche va partir d'un côté, le poing va partir de l'autre. Je tends l'élastique, ok. Un, deux, deux faces, deux, deux faces, deux. Et en accélérant, jamais je m'arrête ici. Je fais un aller-retour, d'accord, vitesse. Phase aller, phase retour. Phase aller, phase retour. Phase aller, phase retour. Troisième technique, l'uchi uke. Donc je viens armer sous le poing, d'accord, sous le bras exactement. Là c'est pareil, si j'arme trop sous le bras, ça me fait monter l'épaule. Donc j'ai la possibilité de venir armer un petit peu dessous. Donc ici, je fais glisser, pareil, pivot du poignet, tirage de l'équité, pivot des hanches. J'arme. Un, pivot du poignet, pivot des hanches, tirage de l'équité. Un, les hanches sont de face et c'est quand je tire l'équité que je vais venir pousser. Un, deux, ok. Quand on accélère, interdiction de bloquer et d'envoyer, ok. Ça fait vraiment un aller-retour, phase aller, phase retour. J'imagine ici que j'ai un élastique, plus je tends l'élastique, plus il va partir vite et fort, ok. Donc, je vous le montre ici, ça fait ça. Le profil. Autre technique de base, le sotouke. Donc, je viens armer à l'oreille le bras devant en protection. Simultanément, je vais venir tirer, ok. Et en même temps, je vais venir ici pivoter. Donc, j'arme. Je tire l'équité et je vais venir pivoter. J'arme simultanément, j'envoie. J'arme simultanément, j'envoie. Je vous montre de profil. J'arme et je vais venir tirer. S'il va me faire envoyer mes hanches de l'autre côté. J'arme, je viens tirer. Regardez, c'est lui qui va me donner l'inertie. C'est comme un système de poulie. Plus je vais tirer ici, d'accord ? Plus ça va m'aider à envoyer le bras en blocage. Et après, on peut l'accélérer rapide. C'est parti pour l'agi-uke. Alors, je viens croiser de cette position. Je vais venir monter le coude le plus haut possible et en même temps tirer. Le point que la ceinture croise. Je viens ouvrir le coude. Tirage de l'équité. Le profil, je croise. Je vais monter le coude, boum, je croise, boum, en accéléré, un, chac, deux, chac, trois, chac, de profil.
Dernière technique, le shuto-uke. Je viens armer au niveau de l'oreille. Les deux mains sont ouvertes. Pareil, j'imagine que j'ai un élastique au niveau du poignet, au niveau de la hanche. Et je viens tendre l'élastique. Vous avez vu, je suis en opposition ici, là. Opposition, ok? Donc devant, je vais venir tirer au niveau du plexus et en même temps pivoter mes hanches. Chac! J'arme mes hanches de face. Pareil, je fais glisser. Pivot! Chac! J'arme. Je viens tirer en opposition avec le bras. Chac! J'arme. Opposition. J'arme. Opposition. Et pareil, comme le Gedanbarai, l'Uchiuke, tout ça, phase aller, phase retour, je ne m'arrête pas dans la phase aller. D'accord? Regardez, la finition ici, tac, 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 le profil, c'est ça qui va vous faire la finition du shuto. Petit rappel terminé, voilà pour ces techniques de base. Donc pour le moment, nous avons vu ça vraiment sans déplacement, ok. Je vous ferai une autre vidéo quand j'aurai un petit peu plus d'espace, parce que c'est vrai que c'est pas évident, avec les déplacements, et surtout pour que vous voyez bien le travail de hanche et d'où vient ce travail de hanche et comment on peut l'exécuter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc rendez-vous dans d'autres vidéos prochainement. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour savoir régulièrement quand nous mettons des vidéos en ligne. Voilà, je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.